Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, petite astuce par rapport à Android. Et oui, iOS a une petite avance car aujourd'hui, nativement, sous iOS avec votre iPhone, vous allez pouvoir faire lire du texte à partir de l'application Google alors que Android, le lit 7 pages, n'est pas encore disponible alors que sur iPhone, on le trouve déjà. Je vous montre ça tout de suite. Alors si c'est pas encore fait, je vous invite donc à vous abonner, ça se passe ici, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. C'est parti pour la vidéo. Voilà, je vous avais déjà fait donc la présentation du fameux Pixel 4a qui est vraiment un smartphone ultra sympa à avoir dans la main. Ultra réactif, c'est vraiment génial. Alors ici, je suis sur les actualités Google. Regardez 6 jours, écoutez, 6 jours, un article. Pratique pour ceux qui veulent. 5% barre de progression. Donc, je viens d'ouvrir un document dans Google Actualités. Je vais faire un petit geste dans l'angle en bas à gauche de mon téléphone. Avec deux doigts, je vais monter en oblique. Mon Google Assistant va se déclencher. Et je vais pouvoir lui dire, écoutez ça, c'est parti. Lis cette page. Ok. Excusez-moi, je ne vois pas de page web à l'écran à ce moment. Voilà. Essayez d'ouvrir une page web et demandez-moi à nouveau. Voilà ce que j'ai comme problème lorsque je demande à mon Google Assistant de lire cette page. Idem si je le fais en anglais. Read this page. Alright. Sorry, I don't see a web page on your screen right now. Try opening a web page and asking again. Même réponse. Maintenant, passons sous iOS 14.5 et votre iPhone. C'est parti. Donc, nous sommes rendus sur l'iPhone. Et là, c'est assez exceptionnel puisque avec l'iPhone, si vous ne voulez pas passer par Safari, et si vous voulez avoir une lecture parfaite à partir de l'application Google, je vous invite à aller télécharger l'application Google. Vous demandez tout simplement à votre Siri, télécharger l'application Google. D'accord, je recherche Google dans l'App Store. Google, répondre, explorer. Vous avez dans le deuxième choix donc l'application Google. Ouvrir, bouton. Et on va tout de suite l'ouvrir. Ouvrir, Google. Grâce à cette application, les amis, vous allez pouvoir faire des recherches sur Internet grâce à la zone d'édition tout là-haut. Champ de recherche. Appuyez deux fois pour lancer. Ou vous allez pouvoir lire tout simplement et rapidement n'importe quel article qui va se trouver dessous. iPhone 13, le bloc photo s'annonce bien plus épais. Allez, on va lire les rumeurs iPhone 13, j'ouvre cet article. iPhone 13, le bloc photo, www.frand. Vous pouvez accepter tous les traceurs étroitement nécessitant votre consentement ou les refuser en cliquant sur continuer sans accepter et faire un choix plus granulaire. En savoir. Je viens tout juste de faire une vidéo à ce sujet sur le suivi publicitaire et c'est ici que vous acceptez ou vous n'acceptez pas le suivi. Tout accepter et continuer. Bouton. Je vais faire tout accepter. Les iPhone 13 et 13 Pro pourraient prendre un peu d'embonpoint. Voilà donc ici, au lieu de faire une gestuelle, au lieu d'aller voyager. Navigation vers champ de recherche. Bouton. Article. Liste. Tableau. Contrôle de formulaire, lien, en tête, reconnaissance de l'écran, débit vocal, sélection de texte. Au lieu de servir du rotor pour lire de titre en titre, de lien en lien, etc., on va tout simplement aller sur le haut à droite de l'application. Vous allez donc vous rendre complètement en haut à droite et je vous montre la petite icône que vous allez entendre. Lecture à voix haute, bouton, oui. Bouton, lire des articles web à voix haute. Alors c'est le fameux Read It, le fameux Read this page, le fameux lire cette page qui n'est pas accessible. Et bizarrement, on le trouve accessible sous iPhone, sous iOS. Et ça, c'est assez impressionnant. Vous la trouvez, cette petite icône, lecture à voix haute, complètement en haut à droite. Avant ça, il vous faut avoir installé l'application Google. Grâce à ce petit bouton lecture à voix haute, vous allez pouvoir écouter n'importe quel article tout en squeezant toutes les images, tous les liens, tout ce qui est polluant pour une personne aveugle ou malvoyante. La preuve ici, je lance la lecture. Lecture à voix haute, ouvrir le menu,
bouton, bannière, repère. Donc, quand vous appuyez sur ce bouton, une petite fenêtre s'ouvre à vous, et ici vous avez le choix. Écoutez. Vous avez donc le bouton écouter. Ajouter à la file d'attente. Ajouter à la file d'attente. Annuler. Ou annuler. Nous, on va faire écouter. Écoutez. C'est parti. Fermez le panneau de lecture. Bouton. Le bloc photo s'annonce bien plus épais. Publié par FR Android. Les iPhone 13 et 13 Pro pourraient prendre un peu d'embonpoint. Un changement assez léger, mais qui devrait se remarquer davantage au niveau de son appareil photo plus protubérant. Les iPhone 13 ne seront pas lancés avant la fin de l'été, voire le début de l'automne, mais les rumeurs commencent comme chaque année à révéler certaines informations sur les futurs smartphones d'Apple. Lorsque vous lancez la lecture à voix haute, fermez le panneau de lecture. Vous avez un panneau de lecture tout en bas de votre iPhone. Et ce panneau de lecture vous permet de faire différentes choses. iPhone 13, le bloc photo s'annonce bien plus épais. Bouton. Donc ici, c'est le titre de l'article. Manuel Castejon. Bouton. AirPlay. On peut donc se servir de AirPlay et balancer, par exemple, la lecture à voix haute sur des AirPods, par exemple, ou sur des HomePod, ou n'importe quelle enceinte connectée Bluetooth à partir de votre iPhone. Menu plus, bouton, www.barre de progression, 19%, ajustable. On a une possibilité d'avoir une barre de progression pour justement avancer ou reculer dans l'article. Temps écoulé, 31 secondes. On a donc le temps. Temps restant, 2 minutes et 17 secondes. On a donc le temps de lecture, et ça c'est plutôt pas mal. Précédent, bouton. Aucun article dans la file d'attente. Bouton. Lecture. Bouton. On a donc notre bouton de lecture. Avance rapide. Bouton. Et l'avance rapide. Suivant. Estompé. Bouton. Aucun article dans la file d'attente. Donc, comme cela, vous pouvez mettre autant d'articles dans la file d'attente. Et, par exemple, si vous êtes en voiture vous-même, ou si vous êtes même une personne voyante, malvoyante ou aveugle, vous aurez donc la possibilité de lire plusieurs articles à la suite, tout simplement par le biais de... Lecture à voix haute. Par le biais de lecture à voix haute. Alors ceci, vous pouvez le faire partout à partir de l'application Google, que ça soit dans les actualités Google ou dans vos recherches Google. L'internet est encore plus facile, l'internet est encore plus accessible. Vocalisez, c'est sur Vision Hightech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis. C'est important pour la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.